écrit des livres ayant des genres littéraires vraiment opposés. C'est quoi ton genre littéraire préféré? Mon genre littéraire préféré, honnêtement, je pense que j'en ai pas. Moi, j'aime juste une bonne histoire qui fonctionne. Des fois, c'est un... Comme là, dernièrement, avec les moustiques, j'ai fait un livre d'épouvante. J'ai adoré faire ça, vraiment. Mais je peux faire aussi dans l'humour. Des fois, je fais des histoires plus humaines, plus touchantes. Les héros de ma classe, qui était un livre interactif, un livre dont vous êtes le héros. C'est très drôle. J'adore ça aussi. Donc, j'ai pas de préférence, nécessairement, mais j'aime quand je fais une bonne histoire. Quand l'histoire que j'invente m'emporte, là, je sens que je touche quelque chose, puis là, je suis fier. C'est quoi ton livre que toi, t'as écrit, ton livre préféré? C'est une grande question. C'est comme si tu me demandais de choisir un de mes enfants lequel que je préfère. C'est difficile. Mais il y a quand même un livre, j'ai une affection particulière, ça s'appelle « Mort et déterré ». C'est publié chez Soulière Éditeur. Puis ça fait 10 ans que j'ai sorti ça. Puis là, en ce moment, je suis en train de faire l'adaptation en bande dessinée. Ça va être publié chez Dupuis. Donc, c'est une histoire qui m'habite depuis presque 15 ans encore. C'est l'histoire d'un zombie gentil. Tu as publié un livre sur le suicide, Un dernier songe avant le grand sommeil. Oui, j'ai publié un livre sur le... Ça, c'est, comme tu dis, j'ai différents genres littéraires. Celui-là, c'était la première fois où je m'aventurais plus dans un genre poétique. C'est un livre très dur, mais c'est arrivé pour vrai aussi. C'est la fille d'un ami qui s'est enlevé la vie à 14 ans. C'est quelque chose qui m'a bouleversé. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans. Il fallait absolument que je trouve la bonne idée pour pouvoir traiter de ce sujet-là. Et quand j'ai eu l'idée des trois fantômes... Charles Dickens? Oui, c'est ça, les Ebenezer Scrooge de Charles Dickens, qu'on connaît, le fantôme du temps passé, du temps présent, du temps futur. Je me suis dit, je pense que là, je peux en parler, puis bien en parler aussi, tu sais, avec un certain détachement. L'idée aussi est partie du fait que je regardais sur les médias sociaux tous les témoignages que cette fille-là avait, puis je me suis dit, si elle avait pu lire ça, si elle avait pu voir tout ce qui s'est passé après sa mort, honnêtement, je pense qu'elle ne l'aurait pas fait. En fait, Les Moustiques, c'est mon premier livre d'épouvante que j'écris. J'ai souvent touché au fantastique. Il y avait souvent des éléments morbides, un peu comme dans Mort et déterré, mais ça restait quand même aussi assez léger. Tandis que là, dans Les Moustiques, je me suis vraiment fait plaisir. Ça meurt à tour de bras. Je me suis pas trop censuré. Je suis parti d'une situation très simple. Je dis, quand on est bombardé de moustiques, c'est l'été, c'est infernal. Des fois, on essaie de se protéger, c'est impossible. Fait d'imaginer si un seul de ces moustiques-là était meurtrier, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pourrait survivre dans une situation de même? Donc, j'ai imaginé, puis en exagérant toujours, en disant, imaginons un nuage noir de moustiques qui arrive sur le village. Comment les héros peuvent se tirer d'une situation comme ça? Ça a été super le fun à juste essayer d'imaginer, mais si ça m'arrivait, si moi j'étais dans la peau des personnages, qu'est-ce que je ferais? J'ai eu un fun fou à écrire ce livre-là. C'est un livre que j'ai écrit très rapidement, d'ailleurs. Sans blague, là, puis je fake pas, là, mais ça me commence vraiment à me gâter. Merci beaucoup, Jocelyn. Ben merci beaucoup à toi, Sean. Merci de l'intérêt et de tout ce que tu fais. Continue.